hop, tu peux baisser que ce qu'il y a. Non, mais c'est comme le bipode, en fait. Bon, ce qu'est l'avantage, c'est que... Appuie sur les chaînes. Ah, j'appuie dessus. Non, mais l'avantage, c'est un truc comme ça. C'est que même si l'animal bouge, t'as qu'un point à bouger. Mais tu peux tout changer. Ah, parce que là, peut-être que c'est un nouveau... Tu peux changer la gâchette, tu peux changer ça, toi. Ah, celui-là est nouveau. T'as plusieurs trucs... Tu peux bouger, éventuellement ça tourne un peu trop, tu prends une petite patte, tu la lèves, tu la poses, puis après tu montes, tu descends sur ton bipode. L'année dernière, il m'a fait louper un point avec sa salope. Non, moi j'ai jamais rien loupé avec lui. Tu loupes bien tout seul. Hein. Il a pas l'air bien méchant. Ah. Allez, t'es prêt? On y va. Allez, on roule. Pour information, c'est une lie. Qui a complètement bousillé sa voiture. Regardez, parce qu'il restait du maïs à l'intérieur. Elle a tout défoncé. Là, je ne sais pas si vous voyez l'impact qu'elle a mis là. Jusqu'ici. Et pareil de l'autre côté. Elle est pas bien habillée là. Tout ça pour du maïs. Non, bougez pas. Bon, allez, au boulot. Oui, pour 15 points. Ouais, 15 points. Il n'y a pas de biche avec. Il n'y a pas de biche avec. Non, mais c'est le début, ça bidouille, ça se largue. Avec le vent dans la nuque. Il y a deux entonnoirs neufs, plus les trois en dessous.
c'est comme si on était passé, qu'elle nous avait su, senti, mais tout. Alors, on y est pour aller. Là, tu veux faire pour moi. Non, mais là, tu peux faire ce que tu veux, je crois que comme ça tourne en plus. On va voir, ça peut se calmer un petit peu à ton ennemi. Avant que tu oublies, il faut t'oublier, c'est ça. Oui, je vois. Tu vois? Il bouge pas du tout. Là, là. Là. Il y a deux chars. D'accord. Là, il trace. Il y a qui est parti avec le vent dans le nord, du nord, on revient, il y a le vent du sud. Tu sais, un peu de poussière, ça tourne. Parce que dans les prairies, l'herbe est pas pétante, l'herbe est hyper grillée et sèche depuis 4 mois maintenant, donc ça y a rien qui les attire. Ah, ils ont plus tendance à sortir le matin. Le matin, l'herbe est pleine de rosée, enfin pleine de rosée, façon de parler, entre guillemets. Donc il y a un peu plus d'hygrométrie dans l'herbe le matin, donc les animaux sont un peu plus sur les prairies dans le milieu de la nuit le matin. Mais sinon, le soir, il n'y a rien qui les attire sur Paris. En plus, le coup de vent ce matin a dû faire tomber quand même quelques blancs aussi, mais bon, de toute façon, ça sortait pas quand même. Non, il n'y a rien d'appétant. Faire comme en Afrique, ils attendent au point d'eau. Ouais.
a plein d'armes. Ça, j'ai dit. Mais là, je pouvais pas tirer avec tes armes. Ouais, mais toi, tu te mets où j'étais. Il était arrêté juste où il fallait. Attends, il s'arrêtait, il avait la tête et l'épaule en face de le tronc. Deuxième coup. En plus, t'es excentré de l'arbre quand tu te mets à ça. Là, si t'es dans les arbres, il te fera même pas tirer à la limite, il te fera même pas t'appuyer. Faut pas sortir des arbres, faut pas sortir des touffes. Dès que t'es sur le côté, ils savent très bien que c'est plus. Ah, mais c'est pas dans le prêt, c'est rentré. Ouais, t'es sûr. Ouais, il y a deux, trois gueules là. Hein. Les ombres font 20 mètres de long.
c'est pour le 30-06 là. Ah bah ça craque. C'est pour le 30-06. Ça craque. On va le prendre. C'est pas celle-là. Hein ? Oh, je me suis dit, j'attends pas qu'il s'arrête. Les séchénettes, c'était balle de colonne un petit peu haute, hein. Un petit peu haute quand même. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, ça. Qui est descendu tout seul, tu vois, il était chercher des biches, puis il revient. Ouais. C'est. Oui. Bon, bah tant pis pour le son, on le trouvera plus tard de l'autre côté, je sais pas où. Allez. Ouais. Une petite goutte de sang quand même. Ça fait pas un gros trou de 300 quand même, regarde. C'est pas du 9-3. C'est pas du 9-3, hein. Ça n'a rien à voir.